Non, c'est sûr que c'est une victoire à l'extérieur, mais après sur le contenu, on marque un peu deux essais un peu chanceux entre guillemets. Donc c'est vrai qu'on n'a pas marqué des essais un peu sur notre jeu ou avec plusieurs temps de jeu. Donc sur le contenu du match, on savait très bien que c'était pas très positif, mais après voilà, il y a quand même cette victoire qui nous permet d'avoir 4 points et qui pour l'instant nous laisse espérer d'être dans les 6. Lundi ou l'après-midi, c'était quand même plus léger que d'habitude. Donc voilà, c'est vrai que ce match c'était très difficile. On a beaucoup défendu, surtout sur la chaleur, c'était encore plus dur. On a quand même pas mal couru et c'est vrai que physiquement ça a été assez éprouvant et c'était important de bien récupérer pour jouer ce match contre Castres. On a fait contre Agen, on a fait trop de fautes et après voilà, on sait que Urda Pileta il enquille tout. Même après dans le jeu, il a un très bon jeu au pied, donc il va nous faire courir. Donc voilà, on sait très bien que c'est un joueur à surveiller chez eux on va essayer de ne pas lui permettre qu'il mette plus de points que ça. Très vite, on est passé sur Castres parce qu'on sait très bien que Castres est une grosse équipe cette année. On a pu voir quand même qu'ils ont fait quand même deux très bons matchs contre deux équipes qui visent le haut du tableau. Donc voilà, on sait très bien que ça va être très difficile contre Castres avec en plus des nouveaux joueurs qui sont arrivés et qui leur permettent de hausser leur niveau de jeu. D'autant plus que c'est un essai de pénalité. Donc oui, voilà, bon, de toute façon, on sait très bien que si on a une bonne défense, même offensivement, ça va être beaucoup plus facile. Donc voilà, je crois que même l'année dernière, on était l'une des meilleures défenses et on veut reproduire ça cette année. Non, franchement, nous, c'est surtout se concentrer sur comme on savait qu'il y avait 4 matchs avant la trêve, là, donc on s'est concentré surtout sur ce bloc de 4 matchs. Où voilà, faut essayer de prendre le plus de points possible pour justement bien démarrer le championnat. Et voilà, on s'est surtout concentré sur ces 4 premiers matchs, mais après, on n'a pas non plus pensé au manque des internationaux ou pas. Donc voilà, on s'est surtout concentré sur nous. Là, c'est vrai que enfin, j'ai commencé les 2 premiers matchs titulaires, donc forcément, je suis quand même content. Ça me permet quand même de plus me libérer et de voir que j'ai la confiance des entraîneurs. C'est vrai que c'est plus facile d'un côté, mais bon, voilà, après, il ne faut pas se louper. Je sais très bien que si je réalise des moins bons matchs, voilà, y a d'autres joueurs, il y a d'autres très bons joueurs à mon poste. Donc voilà, ça peut aller vite d'un côté comme de l'autre.